Bonjour mes élèves de CP, aujourd'hui un petit peu d'écriture, on va étudier la lettre, on va essayer d'écrire la lettre que vous avez étudiée cette semaine, le Z. Allez, venez voir. Alors, voici mon cahier avec le Z minuscule, le Z majuscule et les mots qu'on écrira, que vous allez écrire tout à l'heure. On commence par s'entraîner avec le Z minuscule, c'est parti. Alors, je pars d'en bas, je fais un trait penché. Je reste sur ma ligne en haut, je repars sur un trait penché et hop, je termine par une boucle que vous connaissez, la boucle du J par exemple. Je recommence. 1, 2, 3 et hop, je fais ma boucle en 4. 1, 2, 3, ma boucle en 4. Et voilà pour le Z. Alors vous essayez de ne pas faire des Z un peu comme ça, parce qu'après ils vont ressembler à des J ou des Z un petit peu trop serrés comme ça, c'est pas très très joli et pas dépassé. Voilà pour le Z. Et bien sûr, maintenant, on étudie aussi les majuscules. Alors voici le Z majuscule. Je pars toujours pareil entre la deuxième et la troisième. Je fais mon petit trait penché. Je continue sur la ligne. Et je descends en faisant un trait penché jusqu'en bas. Et je termine par une petite vague comme ça. Très joli, maître Jean. Je continue, je refais 1, 2, 3. Et ma petite vague pour terminer. Voilà pour les Z. Tout ça se fait bien sûr sans lever le stylo. Voilà. Vous essayez de ne pas le faire trop gros comme ça, c'est pas forcément très joli. Encore ça va, mais bon. Et pas trop penché comme ça c'est pas beau. Voilà. La page d'écriture, on la regarde bien. D'abord, alors attendez. D'abord, avant de faire la page d'écriture, on va s'entraîner comme d'habitude. On s'entraîne avec le doigt en l'air pour le Z minuscule. Hop. Hop, hop, je fais ma boucle. 1, 2, 3, ma boucle. 1, 2, 3, ma boucle. Le Z majuscule. Tac, je descends et je finis. Je monte sur la ligne, je descends et je finis. Avec le doigt, le Z minuscule, sur le cahier. Et le Z majuscule aussi. On s'entraîne bien sûr sur son ardoise, on fait des petits, des grands, on en fait un petit peu de tout. Et la page d'écriture, la voilà, vous l'avez un peu vu tout à l'heure. Le Z minuscule, une ligne. Le Z majuscule, une ligne, un par carreau. Et on écrit les quatre mots que j'ai trouvés. Zorro pour la majuscule. Un zèbre, on entend bien le Z, z. Et ensuite, ce sont deux mots avec le Z muet, qui fait pas le Z mais qui fait un autre son. Le nez. Qui sert à faire le E, et vous chantez. Quand on a vous, vous savez, à la fin, on entend toujours chanter, et bien ça sera toujours avec un Z. Voilà! Je vous dis à bientôt les CP. Travaillez bien!